Le groupe français CFAO, spécialisé dans la grande distribution, a ouvert son tout premier centre commercial sur le continent africain. Le pays choisi est la Côte d'Ivoire, plus précisément Abidjan, sa capitale économique. Si on prend notamment la distribution alimentaire, on va dire que l'Afrique, c'est le dernier continent qui, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, n'avait pas une consommation moderne très développée. Vous savez que la distribution moderne, c'est de l'ordre de 3, 5, 6%, 10% dans certains pays. Avec ce que nous sommes en train de faire, nous partons vers des taux de croissance de la distribution moderne beaucoup plus importants et nous avons l'intention d'être un leader sur ce marché. Quelques consommateurs donnent leur avis. On a l'impression que maintenant c'est la France qui vient en Côte d'Ivoire, mais ce n'est plus les Ivoiriens qui vont en France. Parce que puisque tout ce qui se trouve là-bas, on le voit maintenant pratiquement ici, donc ça fait du bien. Mais j'espère que les prix seront faits, en fait, seront adaptés aux consommateurs moyens et que ce ne sera pas uniquement pour le top, quoi. Le coût de cet investissement s'élève à 66 millions de dollars. La clientèle visée ici est surtout la classe moyenne.